Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je qualifierais de à l'ancienne pour la chaîne, puisque les tout premiers abonnés à French Grip Channel, vous savez qu'au début, on parlait beaucoup de matériel, on parlait beaucoup de choses très simples avec des vidéos qui étaient un peu tournées à l'arrache, mais on parlait de matos et on parlait de trucs vraiment geek batterie, parce que c'était moi ce qui me faisait vraiment triper au départ. Et on parlait de peau, on parlait de cymbales, on parlait de caisse claire, bref, on parlait de tous ces trucs-là. Alors après, il y a eu les histoires de batteurs, après, il y a eu les histoires des marques, etc., des trucs plus élaborés, et je suis très content que toutes ces choses fassent qu'aujourd'hui on soit plus nombreux sur FGC, et vraiment je suis le plus heureux du monde, et franchement merci, continuez à regarder les vidéos, dites à vos potes de s'abonner, etc., etc., et puis tous ceux qui viennent de tomber pour la première fois sur French Grip Channel, bah abonnez-vous, vous allez voir, il va se passer plein de trucs, et puis regardez un petit peu le back catalogue déjà, il y a déjà plein de choses qui sont en ligne. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet vraiment dédié aux batteurs, on va parler de peau, chose rare dans le monde de la musique. Il y a une nouvelle marque qui vient de s'implanter en France qui s'appelle Code, et avant on avait Remo, Aquarian et Evans, et maintenant il y a un quatrième venu. Il faut bien savoir que trois marques sur un segment, comme les peaux de batterie, c'est pas beaucoup. C'est un petit peu comme à l'époque pour les téléphones, il y avait SFR, Bouygues et Orange, et c'était tout. Alors que maintenant, il y a Free qui est arrivé et ça a changé beaucoup de choses. Et ben c'est pareil, je pense, pour les peaux, il va se passer des trucs, puisque Remo, Aquarian, Evans, c'était les trois seules marques vraiment grand public. Il y avait quelques petits fabricants de peaux vraiment spécifiques, un peu boutique, avec de la déco, ou alors même des peaux animales carrément qui existaient pour équiper certains kits vintage, mais il y avait vraiment que ces trois grosses marques qui étaient présentes. Et il y a cet anglais, là, Code, qui vient d'arriver. Alors c'est pas une nouvelle marque, puisque ça fait déjà quelques années que ça existe, mais ça fait pas très longtemps, et la qualité s'est très grandement améliorée rapidement, parce qu'en fait ce sont toujours des peaux qui sont fabriquées en Chine, même si la conception est britannique et que tout la recherche développement tout ça s'est fait en Angleterre, mais ce sont des peaux qui sont fabriquées en Chine, et au départ il y avait quand même quelques problèmes. Ce qui compte vraiment, c'est de vous parler un petit peu de la philosophie du produit, de vous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour qu'on les ait en France, parce que ça n'a pas été simple non plus, et puis de vous parler de la politique de prix, de vous parler de ce qu'il y a comme produit, etc., et puis de vous expliquer un petit peu mon ressenti aussi, puisque je les ai montés pour la première fois un kit complet sur une batterie. Donc c'est une Pearl BLX. Pourquoi une Pearl BLX? Bah déjà parce que j'adore cette batterie, c'est la mienne, et puis j'avais besoin d'un kit vintage pour faire une reprise un peu vintage, puisqu'on va faire une reprise de Toto avec Julien pour une vidéo histoire de batteur, l'épisode 9 qui va être consacré à Jeff Porcaro. Donc c'est pour moi une galère sans nom, puisque moi je suis un gros métalleux qui fait des blast beats, donc jouer un shuffle à la con, bah ça c'est compliqué pour moi, mais j'adore ça le shuffle, j'adore en écouter, j'adore en jouer, mais le problème c'est que c'est pas ma grande spécialité, donc ça requiert de l'entraînement et du travail. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, j'accepte mon sort, je porterai ma croix. Et puis je vais vous parler un petit peu du ressenti que j'ai eu avec ces codes signal. Alors pourquoi j'ai mis des codes signal? Bah tout simplement parce que je cherchais un son un petit peu vintage et je voulais utiliser des peaux qui soient un petit peu originales par rapport à l'offre générale que proposent les trois autres fabricants, puisque la particularité de Code, ça va être de proposer à la fois des modèles qui vont beaucoup ressembler à ce qu'on connaît déjà pour pas qu'on soit complètement perdu, mais aussi avec des petites touches de proposer des trucs vraiment différents pour pouvoir essayer d'autres choses. Alors même si Evans, Remo et Aquarian ont proposé déjà des gammes hallucinantes de variétés, et je pense que dans une vie complète il est impossible pour un batteur d'essayer tout, puisque c'est vraiment très compliqué d'aller de la Calftone à la Onyx en passant par la Aquarian Reflector ou la Remo Power Stroke 4, enfin tout ça c'est très compliqué pour vraiment tout essayer, c'est vraiment très difficile. Mais au moins Code propose des choses un petit peu originales, parce qu'ils auraient pu se contenter de reproduire des trucs qui existaient déjà avec des recettes connues. Et ben non, ils essayent de faire des petits trucs un peu différents, et la Signal fait partie des choses un petit peu différentes. Alors je suis pas omniscient sur le marché de la peau, je sais pas s'il y a déjà un truc qui est exactement pareil que ça, mais la Signal en tout cas propose une offre un petit peu alternative. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer un peu de batterie comme ça dans le vent, avec une seule caméra, juste vite fait pour vous montrer un petit peu comment ça sonne, et puis ensuite je vous parlerai de mon ressenti par rapport à ces peaux, de comment j'ai galérer ou pas pour les accorder, de est-ce qu'elles se sont bien posées sur le fût, de est-ce que c'était bien présenté dans le packaging, etc., etc. La sensation sous la baguette aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que selon les peaux qu'on utilise, eh ben, c'est plus ou moins dur sous la baguette, il y a une sensation plus ou moins agréable ou pas. Et puis après, on va parler un petit peu des produits qui existent, de la philosophie de la marque, et puis je pense qu'on aura fait le tour et que vous serez au courant que maintenant, il y a un quatrième acteur sur le marché de la peau de batterie, qu'il est disponible en France, que toutes ces peaux sont commandables chez Algam ou chez Thomann ou chez Woodbrass ou chez La Baguetterie, mais préférence à la France toujours, essayez de commander les peaux en France, essayez de les acheter dans votre magasin, chez votre vendeur, puis en ce moment comme c'est fermé, bah commandez-le chez Woodbrass, chez Algam ou chez La Baguetterie, parce que c'est français. Et puis je pense qu'on aura fait le tour de la question. Allez, batterie un peu.
Bon, bah, comme vous pouvez le constater, ça sonne relativement bien, et j'ai pas passé 3 heures ni à faire l'EQ en post-prod, ni à les accorder, ni à les installer. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai sortis de l'emballage. Quand je les ai posés sur les fûts, bah, j'ai trouvé que ça épousait parfaitement le chanfrein, il y avait aucun problème, il y avait aucun écart de qualité avec ce que je pouvais trouver chez Remo Evans ou Aquarian, aucun souci. Et je les ai accordés relativement vite, sachant qu'en plus, comme c'est une batterie un peu vintage, eh ben, c'est une batterie avec des fûts power, donc c'est 10 par 10, 12 par 10, 14, 12, et ça, c'est un 16 par 16. Donc c'est plus compliqué d'accorder ça que d'accorder une batterie en fût standard de maintenant. C'est plus difficile d'avoir un son correct avec ça. Et alors, j'ai mis très peu de Moon Gel dessus, juste sur le 12 et sur le 14. Pour le reste, ça sonne relativement naturel comme ça. Et je me suis pas beaucoup pris la tête, franchement, pas du tout. C'est allé très rapidement, j'ai pas eu de difficultés spéciales. Le ressenti sous la baguette, eh ben, c'est plutôt agréable pour des peaux qui sont relativement épaisses, parce que ça, donc la Code Signal, c'est une peau qui est un petit peu nouvelle chez Code en plus, qui fait 14 000 d'épaisseur. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec les unités de mesure anglo-saxonnes, le 1000, c'est, ben, n'a rien à voir avec le millimètre. En fait, 1 000 égale 1 millième de pouce. Donc les peaux, elles font entre 3 000 pour les peaux de résonance de caisse claire les plus fines, jusqu'à 14 000 pour celle-là, qui est une peau simple pli, sans anneau dedans, mais c'est une peau simple pli, mais juste épaisse. Et je m'attendais à avoir un truc un petit peu dur sous la baguette, comme certaines peaux chez Aquarian, et ben pas du tout, j'ai eu un truc relativement souple et sympa au toucher, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors la Code Signal, c'est Smooth White, ça veut dire qu'en fait c'est une peau blanche, mais pas sablée, c'est une peau comme une clear, mais elle est noire, elle est blanche au lieu d'être transparente. C'est un petit peu ce que vous pouvez trouver avec la Remo Emperor Ebony, par exemple, qui est une peau noire, mais smooth, elle est pas sablée non plus. Il y a certaines peaux comme ça qui sont pas sablées. Il y a les Reflectors chez Aquarian aussi, qui s'en rapprochent un peu, mais c'est des modèles un petit peu originaux. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la philosophie de la marque. Parce que quel est l'intérêt d'une marque de peau d'essayer de s'immiscer là-dedans dans ce marché-là ? Et ben c'est simplement d'essayer de faire des peaux de batterie un petit peu moins chères que la concurrence. Voilà, la démarche, c'est vraiment d'essayer de proposer quelque chose de moins cher que la concurrence. C'est carrément mentionné sur le site internet de Code, où Mike Eaton, qui est l'un des deux fondateurs de cette marque-là, le dit. Il dit, moi, la philosophie, c'est de proposer des peaux de batterie pour une fraction du prix de ce que proposent les concurrents. Alors, la méthode pour ça, ben, c'est malheureusement de les faire fabriquer en Chine, même si toute la recherche développement, etc. Tout ça, c'est fait en Angleterre, mais c'est fabriqué en Chine. Ce que Remo, Aquarian et Evans ne font pas, puisque ce sont trois marques américaines qui fabriquent tout aux États-Unis, sauf les peaux qui sont destinées aux modèles entrée de gamme, qui, elles, sont fabriquées en Chine, par exemple les Remo UT, les Remo UK. Mais je pense pas qu'Evans ou Aquarian le fassent, je pense qu'eux font vraiment tout aux États-Unis. Il n'y a que Remo qui fait ça. À ma connaissance, je me trompe peut-être, rectifiez dans les commentaires si jamais vous êtes au courant. On peut se dire que, par exemple, un iPhone 12 ou 1000, ou je sais pas où on en est, mais l'iPhone est fabriqué en Chine aussi. Et pourtant, c'est, entre guillemets, le meilleur téléphone du monde, avec certains Samsung et certains Huawei, mais tout ça, c'est des trucs qui sont faits en Chine, et on est très content, et il serait pas forcément mieux fabriqué s'il était fabriqué aux États-Unis ou en France. Il serait sûrement plus cher, par contre. Pour les pots de batterie, c'est un truc qui était jusqu'ici américain. Il y a un Anglais qui s'y est mis, et qui a décidé de faire appel au savoir-faire chinois pour fabriquer ces pots de batterie selon ses spécifications, et ça fonctionne. Alors, les spécifications, c'est quoi ? Eh ben, c'est d'avoir ce cerclage qui est autour de la peau. Voilà, c'est serti, pas de la même façon que chez les autres. Chez les autres, c'est une rigole dans laquelle on met de la colle et dans laquelle on assemble tout pour avoir une peau qui se tient sur un cercle, soit en aluminium, soit en métal, je sais pas exactement ce que c'est. Un alliage, la plupart du temps, mais souvent c'est en alu, parce que c'est assez léger. Ici, alors il y a évidemment tout un couplet sur c'est utilisé dans l'aéronautique, etc., etc. Mais enfin, c'est surtout le fait que la peau, elle est enroulée autour d'un cercle qui lui-même est enchâssé dans une rigole en aluminium. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on utilise vraiment très peu de colle et que ça a très peu de chances de se décoller. Et c'est ça qui fait la force de la marque Code, c'est qu'on utilise très peu de colle et que donc tout est vraiment compris dans le sertissage du truc et que ça a vraiment quasiment aucune chance de se défaire, parce que ça arrive de temps en temps, notamment sur les peaux de caisse claire qui sont très tendues, que le cercle de la peau se détache du filament millard. Ça vous est peut-être jamais arrivé, moi ça m'est arrivé, donc je sais que c'est arrivé 2-3 fois. Quand c'est des peaux de caisse claire qu'on a payé 20-25 euros sur certains modèles un petit peu spéciaux, comme des P77 par exemple, puisque c'est la dernière expérience que j'ai eue désagréable avec ce genre de truc, et ben là, a priori, ça devrait pas arriver. Alors, on n'est pas à l'abri, évidemment, je sais pas, hein, à l'usage, hein, parce que je m'en sers que depuis 20 minutes, donc je suis pas vraiment sûr que ce soit durable dans le temps, tout ça, mais je pense que oui. Donc, il devrait pas y avoir de problème. Et donc, en ce qui concerne les modèles qui sont disponibles, parce que c'est ça aussi qu'il va falloir aborder, c'est les modèles qui sont disponibles, et bien la plupart sont des choses qui reproduisent quasiment à l'identique ce que vous pouvez trouver chez les autres fabricants. Alors, j'ai fait des antisèches pour être sûr de pas me tromper, mais par exemple, sur les pots de caisse claire, vous avez la TRS,
C'est une double plie de 7,5 mm d'épaisseur, donc c'est plus ou moins grosso modo la même chose qu'une Remo Empereur. À ceci près qu'il y a dessus un gros donut comme ça, donc ça c'est la TRS avec le gros donut qui est dessus, et la Sterling c'est la même, mais avec le gros donut qui est dessous, ça c'est la même, c'est les peaux de Kessler qu'on va qualifier d'épaisse. Vous avez la DNA qui elle est une peau simple plie 10 000 d'épaisseur, donc ça c'est la même chose qu'une Ambassador plus ou moins. Sablé évidemment, et puis vous allez avoir la Zero, mais c'est la même que la DNA, mais avec un donut, pareil. Alors chez eux c'est pas un rond comme ça plein comme la Remo Controlled Sound ou la Remo CS, c'est la même chose, mais c'est un donut, c'est à dire c'est un rond comme ça juste avec un trou au milieu, donc on dirait un donut, c'est pour ça qu'ils appellent ça le donut. Et le donut sur la Code Zero, il est placé dessous comme sur la Remo Controlled Sound, donc on n'est pas perdu du tout, on retrouve plus ou moins les repères qu'on peut avoir chez les trois autres fabricants pour être sûr qu'on choisisse des pots de caisse claire qui correspondent quand même à nos envies si on a envie d'essayer une marque alternative un petit peu moins chère. En ce qui concerne les peaux de résonance de caisse claire, bah vous allez avoir la génétique qui va être soit vraiment transparente, soit translucide, et la différence entre les deux c'est que la première c'est une 3000 d'épaisseur, la deuxième c'est une 5000 d'épaisseur, donc vous avez pareil sur les snare side chez Evans, chez Remo ou chez Aquarian, vous avez pareil la AZ par exemple c'est une 3 mm chez Evans, mais vous allez avoir la Remo Empereur réseau chez Remo qui elle va être une 5000 d'épaisseur, c'est un petit peu plus épais, ça vibre un peu moins et ça permet d'avoir des sons de caisse claire un peu plus secs. Voilà, donc vous avez les deux solutions aussi chez Code. Oh, alors pour les grosses caisses, bah alors là les grosses caisses c'est très simple, parce qu'il y a deux peaux de grosses caisses qui existent chez eux. La plus connue c'est la Blast, alors ça a un nom un petit peu dédié métal et tout, mais c'est une peau de grosse caisse relativement traditionnelle qui va se rapprocher d'une Q2, une Q3, une Q4, ce genre de choses. C'est pas une peau vraiment bizarre du tout, c'est juste une peau de 10 000 d'épaisseur avec un anneau le tour, tout le tour comme ça, pour réduire un petit peu la résonance. Ils se sont pas compliqués la vie avec les peaux de grosses caisses, et ils ont fait la Signal aussi qui existe en version sablée ou en version blanche. Pareil, smooth white comme j'ai sur les tomes, qui elle fait 14 000 d'épaisseur, mais toujours avec ce truc-là autour. Donc si vous aimez les peaux vraiment bien épaisses, eh ben, je vous recommande de plutôt prendre la Signal plutôt que la Blast. Mais peut-être que si vous voulez un son de grosse caisse un peu plus ouvert, un peu plus sympa, ben, plutôt la Blast. Moi j'en ai une sur la batterie, sur la Pearl, avec laquelle j'ai fait la tournée de Svartkron l'année dernière, le Covid Tour. Ça a tout fait, ça a bien pris le trick, tout a bien marché, ça avait un super son, j'ai enregistré toutes les covers jusqu'ici avec ça je crois, et ça marche très très bien. Il n'y a pas d'originalité incroyable sur les peaux de grosse caisse, mais par contre, ce qui est bien, c'est que elles sont quand même d'un univers familier qu'on connaît, donc on va pas être surpris avec un truc bizarre. Voilà, peau de grosse caisse, c'est très simple. Et pour les tomes, alors c'est là qu'il y a l'innovation de la Signal, donc la Signal c'est donc cette fameuse peau blanche, smooth white, 14 000 d'épaisseur, donc un peu plus épaisse, mais quand même agréable sous la baguette, et ça, c'est pas du tout à jeter avec l'eau du bain. Expression n'importe, c'est un Moscard encore ça, n'importe quoi. Et pour le reste, on est sur des choses qui sont assez simples. Alors on a la DNA Clear qui va être l'équivalent d'une Ambassador. On va avoir la Generator qui va être l'équivalent d'une Empereur ou d'une G2E, plus ou moins, donc c'est un double pli, 7,5 000 d'épaisseur, pardon. Et puis on va avoir la Low qui va être l'équivalent d'une Remo CS, à la place d'avoir le rond plein, vous allez avoir le donut. L'originalité qu'ils ont par rapport à tous les autres, c'est qu'ils ont créé une peau vraiment dédiée à la résonance des tomes qui s'appelle la Rezo Ring, qui au lieu de faire 10 000 d'épaisseur comme une traditionnelle G1 ou Ambassador qu'on va avoir tendance à mettre partout, va elle ne faire que 7,5 000 d'épaisseur. Par contre, ils ont mis un ring, donc ils ont mis un anneau comme ça à l'intérieur pour atténuer les harmoniques, parce que souvent c'est chiant, surtout que si on veut mettre un moon gel dessous, ce qui peut arriver de temps en temps si on a quelques difficultés avec des vibrations, parasites, etc., etc., notamment en studio, et qu'on veut mettre un moon gel dessous, souvent ça tient pas. Et ben là, le moon gel est plus ou moins intégré à l'intérieur de la peau. Donc c'est bien parce que c'est d'office une peau qui est matée avec un tout petit anneau sur l'extérieur, et c'est un équilibre assez savant qui est trouvé entre une peau un peu moins épaisse que traditionnellement sur les peaux de résonance de Tom, mais quand même avec ce ring intérieur qui va permettre de l'accorder peut-être plus facilement. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Bah écoutez, voilà, moi je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la marque. Alors la philosophie, donc bah, je vous l'ai dit, c'est de faire des peaux un peu moins chères. Le fait que ça a été distribué en France, c'était compliqué parce que Code était une petite marque et donc était distribué par un petit distributeur qui faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de la répandre en magasin, et certaines boutiques spécialisées, comme par exemple la boîte au rythme, en avait quelques-unes à Montpellier, il y avait aussi à Nîmes Percusson qui en avait quelques-unes aussi, dans un stock vraiment sympa, où on pouvait justement découvrir la marque, puisque lui il en avait pris quelques-unes, c'était vraiment pas mal, parce qu'on pouvait piocher dedans et découvrir un petit peu cette marque, mais c'était un petit peu compliqué à l'époque, parce que bah, la marque était petite, le distributeur était pas très gros non plus, et donc quand Code a cherché un distributeur plus conséquent,
qui s'est avéré finalement être Algam en France, Algam leur a dit oui les gars c'est bien, on veut bien vous prendre, mais par contre il va falloir proposer du volume, parce que là ce que vous proposez là c'est compliqué, s'il n'y a pas de stock nous on peut pas vendre, et il faut qu'on vende un certain volume sinon ça marche pas. Donc Code a quand même considérablement augmenté ses volumes de production, ce qui fait que maintenant Algam peut le distribuer sereinement et proposer ça de manière complètement normale à tous les magasins français et à tous les revendeurs français comme Woodbrass ou La Bagatterie, et même sur son site internet algamwebstore.fr, voilà, si vous voulez commander des pots. Et la bonne nouvelle, c'est que en ce moment, et ce sera sûrement le cas pendant longtemps, quand vous commandez un kit 12 13 16 10 12 14 10 12 16, vous avez une DNA coated offerte pour la caisse claire, donc qui est vraiment la peau standard type ambassadeur OG1 qu'on met sur les caisses claires. Donc celle-là, elle est offerte avec, et ça c'est bien parce que ça vous fait économiser une bonne quinzaine d'euros aussi, sachant qu'un kit est autour de 44 euros je crois, donc on est grosso modo sur les mêmes tarifs que chez les autres, voire même un tout petit peu moins, sauf qu'il y a une peau de caisse claire qui est offerte en plus. Est-ce que ça révolutionne complètement le monde de la peau de batterie? Bien sûr que non, puisque tout a déjà plus ou moins été créé avec quelques petites innovations ici et là qui se passent de temps en temps. Mais voilà, c'est quand même un objet qui est assez simple, une peau de batterie, c'est un film en millard avec un cercle en métal autour, on tape dessus, on le tend, ça marche. Donc la révolution, c'est compliqué d'amener vraiment quelque chose de révolutionnaire. Par contre, amener une offre alternative avec un nouveau look, un nouveau packaging que je vous montre puisque je l'ai là. Donc voilà, ça c'est le packaging habituel. Hein. Ça non plus, c'est pas révolutionnaire, mais bah écoutez, ça fait le taf, c'est bien présenté, c'est joli, c'est sympa. Et puis ça permet surtout d'avoir une marque alternative par rapport à tout ce qui existe déjà. Donc si vous voulez vous distinguer et que les gens vous demandent bah, tiens mais qu'est-ce que c'est le truc que tu utilises, bah tu diras j'utilise des pots Code, c'est pas américain, c'est anglais, et ça marche bien et c'est sympa, et moi j'ai envie de promouvoir cette marque. Déjà parce que bah ils m'ont endorsé, donc c'est sympa, donc bah je fais le taf en proposant de vous montrer ce que c'est. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que bah, vous avez une quatrième alternative. Maintenant, si vous cherchez des pots et que vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, et surtout, c'est dispo. Parce que ce qui est chiant, c'est quand c'est pas dispo. Là, c'est dispo, c'est là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc, et bah, allez-y, Code, marque anglaise. Certes, c'est fabriqué en Chine, mais tout un tas de trucs sont fabriqués en Chine et marchent très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les pots de batterie. Allez, merci à tous, et à la semaine prochaine avec, normalement, Jeff Porcaro, Goodbye Eleanor. On va galérer comme des chiens, surtout moi, parce que Julien a déjà tout fait.